Hey, salutations voyageurs et voyageuses et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Outer Worlds. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour aller visiter la cache de médicaments. On a éliminé dans le dernier épisode les ennemis qu'il y avait autour normalement. Et donc maintenant, la cache est libre d'accès. Centre communautaire de la vallée d'Émeraude. On y va. Oh. Elle se met pas jamais à couvert, elle. Elle est un peu blessée du coup. Personne ici? Non? Bon, on va aller visiter après. Des armes. Du loot. Alors, on va visiter tout ça. Ok. D'abord, on sécurise le bas. Ok. On chope un tas de trucs. Le nombre de balles qui se prennent dans la tête. T'inquiète, Parvati, je vais très bien. On va devenir très lourd à force. Distributeur ici. C'est la foire au crochet magnétique. J'ai envie de dire tant mieux. Oh, il y en a partout. Ça. Ah! Clé de la salle de premier secours. Ok, on peut pas y aller tout de suite. Il faut sûrement looter d'autres trucs. Alors, il n'y a rien par là. Par là, on peut pas y aller. Et là, on arrive au bureau là où on était. Très bien.
On va aller à droite du coup. Enfin à gauche, je veux dire. On l'avait looté lui. Ouais. Tous fait tuer. Ouf. De la salle de premier secours et là il y avait il fallait on a vu le stock de crochets qu'on a du coup on avait 10 crochets mais c'est ça la salle de premier secours non? Bonjour directeur. Ouh, ça a l'air d'être plutôt le bureau du directeur ça. Message de Rosenberg. Bonjour, l'encodeur de cartes d'accès du hall d'accueil est réparé. Il ne devrait désormais plus accorder de cartes d'accès à n'importe qui. Rappel pour le cas où il se casserait à nouveau. Si vous perdez votre carte d'accès, vous pouvez en emprunter une au directeur ou à l'un des employés du premier étage. D'accord. Tramel. Directeur Piquette, je vais remplir un formulaire de plainte. Votre obsession pour cette montre régalienne creuse un énorme trou dans notre budget et empêche la progression de l'exposition tout entière. Je vous demande d'abandonner ce projet. D'accord. Bonjour Monsieur Piquette. Je vous écris ce jour concernant votre demande d'une montre régalienne adulte. Comme vous vous en souvenez peut-être, nos pisteurs ont découvert un magnifique spécimen dans les espaces sauvages. Avec votre accord, nous avons envoyé une équipe composée de plusieurs chasseurs chevronnés pour l'abattre. Nous sommes au regret de vous informer que l'équipe tout entière a péri. Ainsi que stipulé dans notre contrat, vous recevrez sous peu une facture incluant notamment les redevances funéraires. Il vous sera également demandé de rembourser tous les éléments d'équipement endommagés, corrodés, dissous, dévorés ou digérés partiellement ou de leur intégralité. Nous vous remercions de faire partie de notre clientèle. J'ai l'honneur de vous offrir une réduction de 10% sur une deuxième expédition de chasse. Dans l'attente de votre réponse, je vous envoie mes sincères salutations, chasseur et pisteur LTD, partenaire de la Société pour l'éradication de la faune sauvage, super, une filiale d'Universal Defense Logistics. Chasseur et pisteur Limited, nous enseignons à la faune d'Alcyon la cruelle réalité de l'existence. Bravo. Très humain. Ouais. Ok, donc on a eu accès à cette salle et on a obtenu la clé d'ici. C'est la salle des médocs. Ouh, il y avait un taser là. Ok, ça c'est l'objet de quête. Moi je loot tout ce que je peux et après on va faire du tri. Parce que je vais sûrement être trop lourd là. Encore un crochet. On a plein, c'est bien ça. On va pouvoir retourner à Edgewater là. Je ferai peut-être ça en off. Quoique. Pourquoi pas filmer après tout. Mais peut-être retourner à Edgewater pour valider les petits coffres qu'on n'avait pas pu faire. Après, je les avais pas marqués sur la carte, donc je serais bien embêté pour dire où ils étaient. Il n'y avait pas un escalier là qui permettait d'aller à l'étage. Maintenant qu'on a l'air d'avoir sécurisé tout le hall. Oh, un dréno qui traînait par là qu'on n'avait pas fait.
Alors, je pourrais sortir, bien sûr. Eh, mais j'ai pas fait ça. Piratage 30, encoder une carte d'accès de premier secours. Ah bah, oui, bon. Ok, retour au menu principal. Rapport. Exposition Histoire de la Vallée d'Émeraude. Résumé, une fois achevée, l'exposition Histoire de la Vallée d'Émeraude constituera un témoignage de la création de notre colonie pour les générations à venir. Installé dans le hall principal de notre noble centre communautaire, ce diorama sophistiqué présentant de nombreux objets datant de la fondation de notre colonie reflètera l'esprit de travail et d'effort qui est la marque de la famille Space of Choice. La pièce centrale de cette grandiose exposition sera une mante régalienne empaillée, symbole de la victoire de la civilisation sur la nature. Directeur Pickett. Ouais, bah a priori, il n'a pas réussi à l'avoir pour l'instant, sa mante. Hein, Donc l'exposition, elle est là. Voilà, l'escalier pour aller à l'étage. Il y en avait un de ce côté. Il va y avoir encore des ennemis qui doivent traîner là-dedans. Ouh! Pardon. Mais bouge de là. Elle se met devant. Ok, c'est vrai qu'en se mettant devant, elle prend tous les dégâts. Ah, j'avais pas ça déjà. Je crois que j'ai tout looté. Et là, c'est l'autre escalier, ok. Il n'y avait pas un autre accès là, par lequel j'étais passé éventuellement. Ici. C'est là d'où je viens. Je suis passé par là. Et donc, il y a ça. Ouais, d'accord, bah, je crois que c'est bon, on a vidé le bâtiment. Bon, il n'y a plus de maraudeurs, du coup. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et je suis chargé comme un mulet. Peut-être faire une pause, justement, pour faire le tri dans les équipements. Alors, inventaire. Ouf, 117 sur 90. Ok. On va peut-être démanteler une paire de trucs, hein, parce que là... Alors, j'ai une autre combinaison, basse pression de fortune. Donc c'est la même que celle-ci, donc celle-ci étant abîmée, on va la démanteler. Donc c'est Q, je crois, ouais. Je pourrais la réparer, mais non, je vais la démanteler. J'en ai pas besoin spécialement, on a ça en plus, l'armure anti-émeute, armure de niveau 4. Furtivité plus 5, ouais, je vais la virer, je pense qu'on va... On va pas garder ces armures-là parce que sont vraiment pas terribles. Et ça nous surcharge inutilement. Donc là, par contre, 90%. Oh, 8. Oh, Dieu. Bon, je vais peut-être attendre avant de la réparer. Hein. Ici, on a plein de trucs. Alors, on a de quoi faire au niveau des modifications, on en a quelques-unes. Je crois qu'on est pas mal. L'ingénierie mécanique volume 1, et là le volume 2. Ah, c'était le volume 2 que j'avais, maintenant j'ai obtenu le volume 1. Ça c'est bien. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est bien. Ok, bon, un peu d'argent. Alors, c'est les armes surtout. Les armes, on va pouvoir se débarrasser éventuellement...
de trucs qui vont pas. On va garder le taser. J'en ai plusieurs. Le bâton, on va, hop, le bâton télescopeur, on va le virer. Ça, c'est quoi? Un lance-grenade. Ouh. On va garder un lance-grenade. Hein. Fusil d'assaut, fusil d'assaut. Peut-être pas en garder 50, mais... Sable de sentinelle. Pistolet léger. Ouais, ça va, j'en ai pas 12 000 des pistolets légers. On va peut-être en garder. Fusil d'assaut encore. Peut-être un peu beaucoup de fusils d'assaut. Non, 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 pas le sabre. C'est encore un fusil d'assaut ici que je vais dégager. Voilà, on en a un, on en a deux. Fusil d'assaut léger. C'est du chargeur lourde. Ok. Marteau percussion, 142 de dégâts. Dégâts 47, dégâts 18. Ouais, c'est les dégâts par seconde. Le sabre de sentinelle, le fusil d'assaut ici. Encore un fusil d'assaut. Alors attendez, on en a 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça fait beaucoup. Hein. Allez, on enlève 1. On en enlève 2. On en enlève 3. Et j'en garde 2. Plus celui que j'ai là. On a un peu diminué notre poids, mais pas encore entièrement. Hein. Faudrait que je vende tout ce que j'ai au rebut aussi. Allez, c'est bon. On a diminué le poids, on peut partir d'ici. Alors par où faut que j'aille? Par ici. Hop, hein. Bon, alors il faut retourner voir. Ah bah oui, l'un des deux, c'est vrai. On doit choisir. Je peux pas me téléporter directement dedans. Voilà, voyage rapide. Carrément mieux en fait. J'aurais dû faire ça directement. Faut que je pense à l'utiliser. Mais seulement quand c'est nécessaire, parce que là bon, c'était un peu limite quoi. Alors est-ce que je le donne au vieil Abernathy ou est-ce que je le donne à Esther? Vieil Abernathy, bon, il est mourant, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il mijote un truc. Je vais lui donner à elle. Bon, on va ranger l'arme. Hop. Salut Esther. Somebody's been running around town raving about a colony ship. Plague must have gone into their brain matter. Mhm. J'ai le médicament que vous cherchiez. Thanks. I'll see to it that this medicine gets to the people who need it. Here, something for your trouble. Nothing personal, but I hope we never do business together again. Don't want to make a habit of consorting with smuggler types. On va utiliser le charme. Jamais, dommage. You do have some cheek on you. Lucky for you, I kept a little contingency fee in case you tried to negotiate with me. Juste par curiosité, à qui comptez-vous donner ce médicament? Somebody deserving. Silas, on account of him being out in the cold. Amelia, seeing how she's around people all the time. Anybody in the sick room? Ouais, ça me va, ça, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. Ok, je vous laisse. J'espère que j'ai fait le bon choix.
Alors, J. Et donc maintenant, bah Bernati, hop, on l'a plus, hein. C'est bon, c'est fait. Allons le lendemain, c'est terminé. Ouais. Secondaire à bas les robots. Je vais par là du coup. Trouver l'arme secrète, retourner vers l'une ligne. Ouais, récupérer un circuit logique. On va faire ça, hein. À bas les robots, allez. Faut aller par là. Sortir de la ville. J'espère qu'on sort du bon côté. Ça, c'est pas gagné. C'est dommage que le radar, je l'ai déjà dit, je crois, mais je trouve dommage que le radar nous indique pas la route. Je pourrais sortir par ici. Comment dire? Ah. Not today. Just helping this lady. D'accord. C'est peut-être plus par là en fait, il faut peut-être plus aller dans la... traverser. D'accord. Si tu le dis. Alors, il y a une route par là. Oh. Un primate. On va éviter le primate, hein, je crois. Il m'a pas repéré. Toi, t'es là. Ok. On va pas l'attaquer, hein. Oh, primate brutal. Primate gigantesque. Est-ce qu'on peut le choper sans... Je sais pas si je peux l'affronter comme ça, lui, hein. Les deux là. Tu t'es mis, ouais, d'accord. Tu t'es mis en mode discret aussi parce que là, faut pas faire de bêtises. Ils sont où les primates en fait? Il y avait peut-être une meilleure route, hein. Ok, t'as suivi? Amène-toi. Doucement. Sentinelle automécanique. Qu'est-ce que c'est que ce machin?
Il y en a combien des sentinelles? Il y en a deux. Pour l'instant, essayons de trouver une entrée. Mais je pense pas qu'on va la trouver. À moins que... Ok, voilà, je vous discrète. Alors, je sais pas ce que ça donne d'affronter les sentinelles. Pas leur tirer dessus à travers le truc. Ouais, si. Histoire d'avoir une protection, quoi. Ah, ils ont un truc là. Où est-ce qu'elle va? Mais elle est où? Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Il y avait une route plus tranquille apparemment ici. Bon alors comment je fais pour passer le portail? Comme ça apparemment. Hey. J'aurais pu me la jouer discrète et rentrer par là sans faire de combat.
Peut-être. Ouais, c'est plus rigolo comme ça en même temps. Des trucs à mettre au rebut. Je suis de nouveau trop lourd. Vivement qu'on ait accès au vaisseau quand même. Scientifiques qui sont morts ici. Bon, ça pénalise un peu dans les mouvements, mais pas tant que ça finalement. Ouais, je m'étais en train de me dire, il réagit pas lui. M'approche de lui, pas de réaction. Oh là 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 là, il y a des armes partout. Il y a un nombre phénoménal d'équipements. Avec toutes ces pièces, on doit pouvoir fabriquer notre propre robot mécanique. Peut-être qu'il y a un truc dans le jeu qui fait qu'on peut le faire. Bon, ça a l'air sécure, on va rentrer. Mr. Thompson said to talk with Miss McDevitt before doing anything here. Bah oui, moi je veux bien, mais... Ouvrière de la centrale. Un drone. Quoi? Tu te bats contre quoi là? Bien sûr qu'on l'a fait, mais pourquoi t'es resté en arrière? Allez, viens, suis-moi. Il y a une pièce à visiter ici. Ils ont tué tout le monde? Hallucinant. Alors, terminal de l'accueil, mémoire du terminal effacé, rapport de maintenance effacé, fichier personnel effacé, information sur l'entreprise de l'entreprise effacée, message effacé. Note personnel effacement partiel, 2 fichiers disponibles. Accéder au fichier 1. J'ai dû emprunter votre exemplaire de l'ingénierie mécanique de Spacers pour les nuls. J'avais besoin de le consulter car la radio grésillait. J'ai rendu l'ouvrage au hangar de réparation. Accéder au fichier 2. Chaos partout, automéka devenu fou. Fusillade, j'entends des hurlements. Oh, je crois que c'était une jambe. Voudrais quitter le travail plus tôt, veuillez déduire une amende pour négligence de mon salaire. Merci, c'est une fierté de faire partie de la famille Spacer's Choice.
Ok. Bah, je crois qu'elle a pas eu le temps de quitter son travail, notre amie la réceptionniste. Ouh, un crochet encore. C'est dur d'en trouver des crochets, mais là j'ai l'impression qu'on en trouve plein. Alors tant mieux. Je vais laisser la porte ouverte de ce que j'ai visité. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Bon, il y a un étage avec une porte fermée et verrouillée. Est-ce que par hasard... Ah, on a ce qu'il faut pour l'ouvrir. Bon, peut-être pas tenter le coup, hein. On va d'abord visiter le bas, comme on a fait... Et là. Il n'y a pas de petits trucs cachés par ici. Il y a plein de petits détails dans ce jeu, des trucs planqués un peu partout. Faut vraiment ouvrir l'œil. Hein. Je suppose que j'ai le régulateur thermique, il est dans le coin. Terminal de contrôle principal. Rediriger le courant. État de la centrale. État de la centrale. Rapport d'accès fourni par Space Your Choice. Niveau d'efficacité de la centrale géothermique de la vallée d'Emeraude, 22%. Courant actuellement distribué à conserverie de Sauton d'Edgewater, laboratoire botanique. Avertissement, avarie structurelle détectée. Veuillez en avertir votre supérieur. Bon, alors du coup, on va pas le faire tout de suite parce qu'il faut qu'on aille parler à Adélaïde. Mais on sait où c'est maintenant. C'est par là. J'allais courir, mais en fait, ça sert à rien que j'essaie de courir. Je peux pas, je suis bien trop lourd. Bien trop lourde. Hop. Allez, accompagne-moi, Parvati. Non, alors là, c'est la sortie. Ouais, on est dans l'entrée. Donc, on a été par là. On va descendre. Carte d'accès du chef de la sécurité de la centrale géothermique. Bon. Il en faut 5. Énorme. C'est tout? Que ça pour 5 crochets? Poste de sécurité de la centrale, déverrouiller la porte. Saisir le code d'accès. Ok, fichier personnel. Ouais. Rapport personnel 79. Poste de sécurité de la centrale. Rapport personnel. Chester Higgins a encore frappé. Quel boulet celui-là. Je l'ai surpris en train de trafiquer les automécas et j'ai dû rédiger un rapport signalant qu'il tentait de dégrader les actifs de l'entreprise. Si jamais je me relis dans quelques jours et que je me sens coupable, je tiens à me rappeler à moi-même que je l'avais prévenu. Il a toujours eu un petit pétocasque. Travailler sur un circuit logique que j'ai confisqué et qui sera entreposé un moment dans ma salle à pièces à conviction. Ah, donc on va récupérer le circuit logique. Rapport personnel 87. Maintenant qu'on a ouvert la porte. Ça me plaît pas. L'entreprise a commencé à remplacer nos gardes par des automécaniques.
Si ça continue, je serai un chef d'équipe sans équipe. Je serai à la tête d'une petite armée d'automéka prêts à tirer sur tout ce qui bouge. La direction nous dit qu'ils ne sont pas dangereux, ils sont programmés pour ne pas attaquer les humains. Les gens peuvent péter les plombs, mais pas les automécaniques. Enfin bon, malgré tout, ça me plaît pas. Cela dit, l'entreprise s'est jamais trompée jusqu'à maintenant. Alors bon, bah il suffit d'une fois. Rapport personnel 98. Hey. Le pire est arrivé, les automécas sont devenus fous, je me suis enfermé ici. J'essaie de rassembler mon courage. Je vais foncer jusqu'à la salle de contrôle, peut-être que j'arriverai à les déconnecter. Si je réussis, je reviendrai supprimer cette entrée. Ce jeu diplomatique 006. Bonjour, chef de la sécurité S. Tanaka. Ceci est un message automatique envoyé par le protocole d'urgence pour la sécurité des employés de Spacer's Choice. Un verrouillage de sécurité a été déclenché. Ceci n'est pas un exercice. Votre comportement pendant la durée de ce verrouillage sera étudié lors de votre évaluation trimestrielle. L'angoisse est un effet secondaire courant lors des situations de danger extrême justifiant les verrouillages de sécurité. Pour en contrer les effets, buvez une bière gravité zéro bien fraîche. Bière gravité zéro, la bière qui fait s'envoler tous vos problèmes. Ok. Donc on peut aller chercher le circuit logique ici. Ah, il me faut la carte d'accès, j'ai pas la carte d'accès. Bon, bah on va la trouver, hein. On va trouver une tenue d'ouvrier ici, des munitions. Alors. Je trouve cette porte. Bon, on va visiter à gauche avant d'aller à l'étage. À gauche par rapport à l'entrée. Ah non, mais c'est la sortie en fait. C'est encore une sortie ici. Bon, alors il faut aller à l'étage tout de suite. Ouais, non, on va aller à l'étage tout de suite. Mais par sécurité, l'agent de sécurité n'était pas au sol, hein. C'était la réceptionniste. Ici, d'accord. Et donc, Tanaka, il était en bas, mais il était pas mort, hein. Enfin, on n'a pas vu sa trace, je pense. C'est fermé. Ah, attendez, c'est qui ça? Regarde la centrale. Il y a quelque chose là derrière. C'est pas pour la discrétion, c'est juste pour pouvoir passer. On peut pas passer vraiment. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Eh oui, tout va bien. Il faut vraiment regarder la centrale.
not real. You're not real. Go away, Phantom. Get away! D'où est-ce qu'elle me parle? Attendez. Une porte ici. Bon, il y a un établi. Mind the steam. You're liable to get scalded. Aïe. Ok. On va passer par là. De la distribution de vapeur, ingénierie, fermer les soupapes d'évacuation de vapeur. Toc. Du coup, ça nous permet d'accéder à ça. J'aimerais bien quand même trouver un certain nombre de crochets maintenant. Bon, alors je suis pas sûr qu'il... Ouais, normalement il faudrait que je redescende. Ah, attendez, il y avait quelque chose là. Voilà. Elle était en cendres, mais on a quand même réussi à en tirer quelque chose. Ah, il y a une porte ici. D'accord. Bon alors, on est où ?
Surtout, j'ai une mitrailleuse lourde, autant s'en servir, non? Non, faut pas descendre. Ok, il faut trouver Chester, mais il est où lui? Ah! Cadavre du chef de la sécurité. Ben voilà! Bon, en plus, on a trouvé une mitrailleuse légère. Faudrait que je trouve pour accéder au terminal. Bon, on va aller récupérer le circuit logique avant. Ça, après, ça va peut-être me rebasculer directement. Enfin, je sélectionnerai l'autre objectif et ça me donnera une indication. Parce que là. Voilà. Fusil à canoncier. Circuit logique. Très bien. Parfait. Bon alors non, on va sélectionner l'autre objectif maintenant, parce qu'on a fait ça. Il faut le retourner voir Ludwig, mais on le fera plus tard. Ah, il faut lui parler avant? Bah, elle est où? Mince. Terminal de contrôle principal de la centrale. Adélaïde, elle est là-haut. D'accord. On va essayer d'aller la voir. Je tiens pas à la mettre furieuse et je voudrais essayer quand même de la sauver un minimum, quoi. Elle est là. Ah ouais, mais elle est cachée. Ah oui, d'accord. Bon, ok. Il faut sortir. On ressort. Ah, mais elle est super loin, en fait. La brèche pour sortir d'ici. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a peut-être un terminal pour contrôler les portes.
Yeah, désactiver les clôtures sécurisées. Ok, consulter le dernier rapport. C'est en cours, erreur. Rapport de sécurité inaccessible. Conformément à la politique d'entreprise de Space of Choice, tous les rapports de sécurité ont été effacés en raison d'une urgence grave, d'une catastrophe ou d'une fuite de sécurité. Attention, les mises à jour de sécurité planifiées pour cet établissement Space of Choice connaissent un retard critique. Notre dernière mise à jour de sécurité planifiée a eu lieu le erreur date introuvable. Si vous faites partie de l'équipe de sécurité Space of Choice affectée à cet établissement, veuillez vous identifier pour recevoir un blâme à effet immédiat. Tout manquement à cette obligation donnera lieu à un blâme à effet immédiat. D'accord, il y a un garde ici, qui a rien sur lui. On peut pas trouver Chester, hein. je sais pas où il est celui-là. En tout cas, maintenant on peut sortir, on a désactivé les clôtures. Donc c'est bon, on peut s'en aller d'ici et aller voir Adélaïde. Qui apparemment est sur une route. Par ici. J'aimerais peut-être voir pour, dans mon inventaire pour essayer de faire un peu de tri, parce que là, je suis encore un peu lourd. On va supprimer des pistolets légers. Hop. Ou même que je vais tous les supprimer. Ouh, 31%. On va remplacer. Celui-là, on va pas le réparer. On loot tellement de façon que pff, les réparations, c'est limite accessoire. Hein. Fusil à canoncier. Mitrailleuse légère. Bon, ça, je garde, évidemment. Fusil d'assaut. Ah, j'ai trop d'armes, en fait. Bon, ça, on va l'enlever. Ça aussi, du coup. Bon, j'en ai encore un là. Est-ce que je l'enlève? Ça m'enlève, ça me soulage bien. Revolver Space of Choice. Perforateur. Ouais, c'est quoi en même temps? Voilà, hein. On va faire ça tout simplement, puis ça on va l'enlever. Et pareil, le revolver. Je pourrais donner un peu à Parvati, mais. Quelques armes, genre. Taser. Fusil d'assaut, crosse 2, on va l'enlever aussi. 106 sur 90, ça va un peu mieux. On va regarder ce qu'on a dans les armures. Casque basse pression. Et tenue d'ouvrier. Bon, la tenue d'ouvrier, on va l'enlever. Et elle, on va peut-être lui donner une autre tenue, non? Armure. Ce serait peut-être mieux avec celui-là. Elle aura peut-être un peu... Ce serait peut-être mieux pour elle. Ça paraît... Ouais. Crochetage plus 5. Hop, on va faire ça. Comme ça, j'aurai peut-être assez de points de compétences. Ouais, mais alors par contre, j'ai pas fini. Il faut que je me débarrasse encore un peu d'inventaire. Je suis à 105. Taser, j'ai bien envie d'en garder quand même. Fusil d'assaut, 215. Ouais, ça, je peux le virer. Hop. Voyons voir. Fusil d'assaut, sabre de sentinelle. Bon, j'en ai 3. Hein. Bon, on va en supprimer. C'est pas très très efficace. Et j'ai besoin de faire un peu de place. Parce que là, j'ai des armes qui sont très lourdes. Le marteau, il est bien, bien gros. Fusil d'assaut. Marteau à percussion. Fusil d'assaut. Bon, je vais retirer un marteau à percussion. 96 sur 90. Et il va falloir que je vire sûrement un... Le lance-grenade, pareil. On va l'enlever. Ça fait trop de dégâts, ces trucs-là. J'ai pas envie de faire n'importe quoi avec. Fusil d'assaut. Fusil à canoncier. Fusil d'assaut. Ça fait beaucoup de fusils d'assaut, quand même. Mais après, c'est des bonnes armes, quoi. Elles font du bon DPS. Le taser, je vais le virer, le taser. Et pareil, le sabre qui est là. On va l'enlever.
Je suis pas sûr que ça soit hyper efficace. Et là, au moins, on est redescendu correctement. Du coup, là, j'ai le pistolet, le fusil d'assaut. C'est pas la mitrailleuse que j'avais, la mitrailleuse lourde, là, je sais pas quoi, que j'avais équipée. Ou c'est ça. Ah, mais ça doit être ça, en fait, un fusil d'assaut que j'ai équipé. C'est énorme, les dégâts que ça fait. Fusil d'assaut léger, je devrais peut-être faire ça. Plutôt que de prendre le gros truc, là. Bon, après, pourquoi pas, quoi. Bon, j'ai ce qu'il faut, on va changer d'arme. Attendez. J'utilise ça actuellement. On va prendre le pistolet. Voilà. Allez, c'est parti. Normalement, je peux courir maintenant. C'est quoi ce truc? Je sais pas ce que c'est. Et ici, c'est le chemin, il est bouché. Euh, 68 mètres. Il faut que je contourne. Voilà, il y a une route ici. Botanic Lab. Move along, stranger. We don't want any trouble. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Ah, je cherche Adelaide, j'ai besoin de réponses. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Reid a parlé d'anciens employés qui vivent dans des friches. Yeah, that's us. And you can tell Thompson we're doing just fine by ourselves. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. En plus, je trouvais Adélaïde. Over in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. Ouais, pas de soucis. Un problème avec les maraudeurs? You don't know what enough with the questions means? Ouais, bah, no, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging. But that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Ne vous inquiétez pas, je vais la retrouver. Appreciate it. Honest. J'ai d'autres questions sur Zoé. I'll tell you what I can. Une idée d'où elle pourrait être cachée? Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Vous êtes infiltré dans sa chambre? Little ways ago. She was always obsessing over her serial dramas. Wanted to see what the fuss was about.
Peut-être que les maraudeurs l'ont enlevé. Could be. Dangers are plenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Got no useful skills, far as I can tell. Et pourtant, ça te préoccupe. Est-ce que vous pourriez être plus précise que là-bas? Marauder gang just moved into the districts a little ways east. Their numbers are growing. Gotta come from somewhere. Vous la connaissez bien? Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. Vous avez l'air si aimable. Je comprends pas pourquoi vous ne vous entendez pas avec elle. She was lazy and thoughtless, but she's still one of our own. Changement de sujet. What is it? Je vous laisse. Alors Adélaïde, elle est là. Et bon, il faudra qu'on revienne retrouver, mais je pense que je vais d'abord aller parler à Adélaïde, parce que je voudrais bien finir là. À quoi que. Peut-être terminer cette quête-là avant. Voilà. Je vais quand même aller parler à Adélaïde. Je vais pas visiter. Est-ce que je visite les cabanes pour looter? J'ai déjà du loot à plus savoir quoi en faire. T'es qui toi? C'est quoi ça? Ah ouais. You hungry? We got canid ribs. Ah, c'est Stéphane. Canid flank, canid snout too. Something I can help you with? J'ai entendu dire que quelqu'un avait disparu dans votre entourage. You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Not like her to go loping off. Est-il passé le jour de la disparition de Zoe? Zoe and I were going to watch the serials, as is our custom. She never turned up. I looked around, but she was nowhere to be found. You sound like some type of corporate fixer asking all these questions. Parlez-moi un peu de Zoe. Zoe was always obsessed with this serial. Masked marketeer. A scion of Byzantium turns to banditry and teaches his marauder companions the wisdom of free market economics. Shame she up and vanished when she did. I had a surprise lined up for her. C'était quoi votre surprise? The other day I got my hands on a genuine copy of the latest Masked Marketeer. I was gonna surprise Zoe with it, but she was gone the next day. Se comportait-elle bizarrement avant de disparaître? Can't say I recall Zoe ever acting strange. Well, except for her habit of writing things down on scraps of paper. She called it journaling, but I think it's just plain odd. Minute, il y avait autre chose. Hey, I got time. Qu'est-ce que vous vendez? Fresh off the limb, and that includes canid meat. Compétence de commerce. Votre compétence de commerce équivaut à la valeur de votre meilleure compétence de dialogue. Elle sert à négocier les prix d'achat et de vente auprès des marchands. Remise de 4%. Z, vendre le rebut. Hey, on a gagné de l'argent. Est-ce qu'on a vraiment besoin de lui acheter des trucs à lui? Je suis pas sûr. Hein. Ou qu'est-ce que c'est que ça? Arme de poing. Ouais, pas mal le flingue. Hein. 92. D'accord, c'est un objet de quête, ok. On peut racheter tout ça. J'ai pas forcément envie de racheter. Ça me va. Alors, Adélaïde, elle est ici. Il n'y a rien d'autre dans le coin. Quelque chose, là, il y a une porte. On va fermer la porte.
personne dans la pièce. Ne regarde pas comme ça, Parvati. Personne. Hein. Alors, fichier personnel, piratage. D'accord. La première note. Que l'Éternel bénisse ma première tentative. Cela fait 2 jours que j'ai abandonné ma vie à la conserverie d'Edgewater. Heureusement, l'ancien laboratoire botanique est encore opérationnel. En majeure partie en tout cas. La terre est infertile. Je vais faire de mon mieux, mais il va me falloir un puissant engrais. Puissant engrais. Je n'en peux plus de sentir le goût de sauton dans ma bouche toute la journée, tous les jours. Je veux quelque chose de frais, quelque chose qui pousse dans la terre. Ça semble louable. Nous avons encore trouvé un ouvrier d'Edgewater, ex-ouvrier plutôt. Le taux de désertion doit monter en flèche. Cela ne m'étonne pas outre mesure. Reed a toujours été un vrai tyran envers ses subalternes. J'imagine que l'exode est proche. En tout cas, l'ouvrier était dans un état lamentable, de la fièvre, respiration superficielle, il délirait. Il a dû être touché par la peste. Je l'ai remis sur pied en lui faisant manger des légumes. En quelques semaines, il s'est senti beaucoup mieux, physiquement, spirituellement. Il est des nôtres à présent. Compte rendu d'expérience. Je vais détourner ce laboratoire botanique de son objectif initial en tant que rouage de la grande machine corporatiste sans âme. Cette serre est assez impressionnante, mais comme tous les produits Spacer's Choice, elle est de mauvaise qualité, on ne peut s'y fier. Je vais devoir effectuer quelques réparations de mes propres mains. Cet endroit va devenir une pépinière. J'ai cru comprendre qu'avant de l'abandonner, les horticulteurs n'avaient pas réussi à produire la moindre plante viable. Un problème de terre trop pauvre, semble-t-il. Mais j'ai bien l'intention de trouver un moyen de faire mieux. Puisse l'Éternel veiller sur mes tentatives. Compte rendu d'expérience, dernière note. Les plantes sont des êtres vivants aussi sensibles à leur environnement que ceux qui respirent et qui pensent. J'affirme que si les cultures dans cette région n'ont rien donné, c'est parce que les scientifiques chargés par l'entreprise de s'en occuper sont des gens froids, insensibles et inhumains, agissant pour le compte d'un pouvoir stérile et tout autant inhumain. On ne peut s'attendre à voir des plantes grandir et s'épanouir dans de telles conditions. La terre est infertile, c'est vrai, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je ne doute pas que les scientifiques parleraient de biologie ou du cycle du carbone, mais je peux conclure, après avoir conduit des expériences pendant des mois, que le secret pour obtenir un jardin sain et luxuriant réside dans l'amour, l'attention, la compassion et un engrais naturel riche en matière organique, exactement comme le veut la nature. Oui, très bonne leçon tout ça. C'est tellement joli. T'as raison, Parvati. T'as raison. Alors, salut Adélaïde. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? Vous devez être Adélaïde. I have been called that among other things. Green Thumb, Grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just...
You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. C'est votre serre? No, dear. The garden belongs to us all. Life is the gift of the universe, and the universe yields its bounty equally, absent of prejudice. Ça m'étonne que vous ayez réussi à faire pousser quelque chose ici. The soil around the vale went sour years ago, but I found a way to sweeten it back up. The secret recipe is a little bit of elbow grease, a dash of love, and a heaping pile of special fertilizer. On dirait que vous avez réussi à faire de cet endroit un vrai foyer. A home for anyone who's ever turned their backs on Edgewater. A home for those of us with nowhere left to go and nothing to lose. So, like the spores of the puffball, cast on the wind and alighting on fresh soil. We put down new roots. Pourquoi vous avez quitté votre ancienne maison? It is an unpleasant story, dear. But the short of it is that sometimes one wakes up and realizes the place that was once her home for much of her life has changed. The home in which we spent our lives has left us behind, and so we must move on. And that is as much as I will say on the subject. Reed m'envoie faire la paix avec vous. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace then? Vous utilisez de l'électricité qui appartient à la ville. Revenez à la conserverie, c'était ce qu'il veut. Je pense qu'il faut la jouer honnête. Ça me plaît pas, il manque une option. J'aimerais bien être un peu plus délicat, mais enfin délicate. Mais bon. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. Il m'a demandé de rediriger le courant vers son réseau. Il a parlé d'une centrale géothermique. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Votre camp a un régulateur électrique, j'en ai besoin pour réparer mon vaisseau. Voilà, joue honnête. Canary's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the Canary's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater. And toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Ah oui. Seems the sort of thing a hero would do. Si je fais ça, je vais mettre Spacer's Choice à dos, mais bien comme il faut, hein. Mais c'est tentant, c'est vrai que cette ville est pourrie de l'intérieur. Pourquoi vous en voulez tant à cette ville? You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scraps Spacer's Choice throws them. You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. N'apprécie pas que vous lui infligiez ça pour me rallier à votre cause. All right.
I ain't so fragile. That was unkind of me. I'm sorry, dear. Imaginons que je vous aide. Que deviendra Edgewater? Ouais, c'est une bonne question, ça. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down. Workers desert in droves. And our own little camp grows and thrives. Pensez que Reed essaie juste de vous nuire. You bring power to Reed's town and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. Honnêtement, c'est ce qui m'embête un peu. Parce que son offre, comme quoi il va les accueillir à nouveau, j'y crois pas une seule seconde. T'accueilles pas des déserteurs, ils ont déserté, c'est pour une raison, quoi. Donc, ils vont pas revenir dans le droit chemin. Voilà, je vais y réfléchir. Je pense que j'ai tout intérêt à l'aider. C'est plus mon... ma façon de faire à moi, quoi. Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Keep your wits about you, friend. Thomas? Où ça, Thomas? Keep your wits about you, friend. Bon, on a rencontré Adélaïde et je pense que je vais m'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est, je voudrais terminer ces quêtes-là, là, avant de me décider. Est-ce que je suis sur la map? Oui, je peux retourner à la centrale via le voyage rapide. Donc ça, c'est très bien. Là, il y a quelque chose. Je peux aller au centre communautaire, donc la centrale géothermique, le laboratoire botanique, là où je suis donc. Bien, je peux voyager entre les deux, donc je peux revenir du côté d'Adélaïde quand je veux en fait. Et là, c'est quoi ça? Distributeur, établi, marchand, point d'intérêt. La décharge, la planque de la rivière, l'épave du transporteur, le cimetière, etc., etc. Et je peux retourner à mon vaisseau, qui doit être là. Ouais. Ok, bon. Très bien, très bien. Je pense que je vais retourner à la centrale. Quête active, quête inactive. Là, il y a quelque chose. Il faut que j'aille ici. Pour activer la quête, c'est Miller, je pense. Ah, attendez, ça doit être ici, donc du coup, près de la centrale, pas loin. On va activer la quête. Voilà. Maison de Zoé. Ah bah non, elle est là, la maison de Zoé. Bon, on va aller voir la maison de Zoé. À la base, je voulais pas, je voulais arrêter l'épisode maintenant, mais je vais juste aller voir la maison de Zoé. Puisqu'on est à côté. Hop. Et qui, toi? D'accord, bon. Journal de Zoé, page 12. Bon, je crois que ça y est. Edgewater, c'est fini pour moi. Adieu la conserverie. Adieu la combinaison et les gants de travail, les oui chefs et les tout de suite chefs. Je ne sais pas si c'est vraiment la peine de consigner ça pour les générations futures. J'ai toujours eu horreur de la conserverie et ça m'étonnerait que le jour où je relirai ce journal dans une décennie ou deux, je me dirais « Oh mais oui, c'est vrai, je détestais carrément la vallée à l'époque ». Juste parce que je suis tombé malade. Tout le monde finit par tomber malade. Bon, d'accord, je suis tombé malade et j'ai un peu abusé de l'adrénochronine. Et alors, c'est un crime? Si je suis malade, il faut bien que je me soigne, non? Je croyais qu'il fallait prendre ses responsabilités et apprendre à survivre pour ses propres moyens.
Mais non, il suffit d'égarer une petite boîte d'adrénachronine et boum, on vous traite comme une criminelle. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette Zoé? Vous voulez l'affiche? Ouais, hop. Journal de Zoé, page 22. C'est le jour J. Zoé, aujourd'hui, tu vas enfin prendre ton destin en main. Ça fait un moment que j'entends Grace, Grace, se plaindre des maraudeurs. C'est une bande de hors-la-loi qui ont construit des campements dans des collines sauvages, libres, ils se réchauffant au coin des braseros improvisés. Je parie qu'ils plantent les têtes de leurs ennemis sur des pics pour avertir les gens comme moi. Vivre dans le confort et l'insouciance sans aucune règle. Je parie qu'ils pourraient conquérir toute la région s'ils étaient un minimum organisés. Je mets des vivres d'Adélaïde de côté depuis un moment, et j'ai quelques boîtes de sauton en réserve. Je devrais pouvoir tenir quelques semaines en me rationnant. J'ai aussi de l'adrénachronine. Tout le monde adore l'adrénachronine, et les maraudeurs aussi, je parie. Je suis sûr qu'ils vont m'inviter dans leur bande si je leur agite quelques seringues d'adrénachronine sous le nez. Ça va être génial! Attention, Terra 2, le premier chapitre de la légende de Zoé, la reine des bandits, est en train de s'écrire. Je serai bientôt à la tête d'une horde de maraudeurs. Je pourrai peut-être même récupérer un peu de Rizzo. Elle est folle, folle alliée. C'est une grande malade. Elle est donc partie pour retrouver les maraudeurs, quoi. Cinglée, Zoé. Alors, trouver Zoé. Faut quitter le camp et aller du côté des maraudeurs, et là, ça va être la fête, hein. Oups. J'aurais peut-être pu parler maintenant que je sais que j'ai des indices. What is it? Ah non. J'espère que dans mes pérégrinations, je l'ai pas tué la Zoé. Ça va être un vrai carnage. Bon, je sais pas si je vais pouvoir tout looter, hein. Là, Zoé, mais you
Elle est là, apparemment. Non, elle est pas là. Je pensais qu'elle était ici, mais non. Crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. C'est Zoé, vos camarades vous cherchent. What? You mean Adelaide's little congregation of nature-loving nobodies? I could not possibly be less interested in them. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Ah là là, on m'envoie vous chercher. Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. Persuasion, vous devriez rentrer, les gens s'inquiètent. I doubt that. Nobody in that camp really cared about me. Et Stéphane alors, vous êtes amis, non? Yeah, I suppose you're right. Also, he could carry on a conversation, unlike these hooligans. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. J'ai besoin que vous m'éclairiez sur un point. On va voir ce que... I'm great at clarifying. Comment se fait-il que vous soyez vivante? Ouais, c'est ça. I don't know. The vital processes that constitute the miracle of life are mysterious and unknowable. Oh, you mean around these guys? The Marauders wouldn't hurt me, they love me. I'm practically their queen. Yeah, it must be my natural charisma. Impressionné, comment vous avez réussi votre coup? I may have bartered them a few boxes of Adrena time, but yeah, I'm sure that's got nothing to do with it. Bien sûr. Pourquoi avoir quitté le camp? I got kicked out of Edgewater on account of falling sick with plague and stealing some medicine to treat myself. Ouais, ça je sais. I'd heard some outlaws set up camp in the botanical labs. I decided to throw in with them, seeing as I always wanted to be an outlaw myself. Instead, what do I find? But a bunch of former workers camped out around a greenhouse. I couldn't just go back to the cannery, so I was stuck with them. Vous êtes prisonnière? No. I insinuated myself into their company, see? And they didn't seem to mind one whit. Bon. I've got all the time in Halcyon. Je reviendrai. Hop, Oh. Je suis encombré donc je peux pas. Donc il va falloir que je me sépare de deux trucs. Éventuellement un revolver, on s'en fiche. Pistolet léger, hop. Fusil de chasse, c'est nul. Allez, ça dégage. Voilà. C'est à côté, mais bon. J'ai la flemme et puis je voudrais conclure cet épisode. Alors attendez, elle est où l'entrée là?
Non, Grace. Salut Grace. What is it? J'ai convaincu Zoé de revenir. We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened anyway? Elle a rejoint une bande de maraudeurs. Ils ne lui ont fait aucun mal. Zoé joined up with a band of marauders. Zoé, the same Zoé who doesn't know a barrel from a trigger. Well, I've heard stranger things. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Let me know if I can do something for you. Non, rien de plus. Une de mes armes qui est cassée. Pas spécialement. Hein. Un peu abîmée, mais pas, c'est pas méchant non plus. Voilà. 5000 XP? Sérieusement? Bon, bah du coup on va attribuer des points, parce que là on est niveau 6, en plus on va pouvoir faire aussi un avantage. Donc là je voulais monter, qu'est-ce que je voulais monter? J'ai encore besoin de stats pour ça. Piratage 33. C'est pas mal. Crochetage, monter à 40, ça serait bien. Allez. Je monte à 40 avec le truc. Et le reste des points, on va le mettre... peut-être dans les armes de points. Ouais. Allez, je mets ça là-dedans. Et puis c'est bien. Hop, les avantages. Oups, non. Pas du tout. Les avantages. Je peux débloquer un point d'avantage. Alors qu'est-ce que je vais faire du coup? La capacité de transport, ouais, c'est carrément important ça. On va le faire parce que j'en ai marre de... Voilà, c'est 40. Beaucoup mieux. J'en ai marre de jouer avec mon inventaire toutes les deux secondes. Réputation augmentée avec les déserteurs. Amabilité, déserteurs. Ok. Ouais, alors du coup, ouais. Ok. Abat les robots. Retournez voir Ludwig. Dévier le courant de la centrale géothermique. Dévier le courant. Là, là. Ouais, peut-être que j'aille voir Ludwig avant. Je vais aller voir Ludwig hein, avant. Map. Parce que si je coupe le truc sans avoir été... ça se trouve après je peux plus... je pourrais plus le... lui parler. Ou du moins ça sera dangereux de se balader par là. A priori c'est pas dans Edgewater même. Donc logiquement je devrais pouvoir y aller. Allez, on va valider ça. Attends, bouge pas. Bring us honor, soldier. Vous avez parlé d'un circuit logique, j'en ai trouvé un dans le central géothermique. Bang up work, soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the resistance, but... I'm guessing you want something tactile. So here's a couple of bits for your trouble. And a little something to remember me by. Ok. Bonne continuation. Il n'y avait pas un truc aussi ici qu'on devait... je devais y accéder. Et essayer de voler quelque chose, je crois.
Il y avait une caisse. Bon bah il y a ça. Mais c'était pas ça. Il y a des belles armures aussi de haut niveau. Bon, je sais pas où c'est. Derrière là, c'est caché derrière quelque part. Ouais, ouais, je sais. Oups, mince, j'avais pas vu lui. Ouais, ça fait cher, hein. Je vais partir justement. Oh non. Allez, ferme les yeux. Hein? Bon bah pas de témoin. Je pensais qu'il serait plus dur à tuer. C'est qui que j'ai tué en fait? Ah je sais pas. Tu dis, ouais. Bon, je crois que j'ai tout fouillé. Je suis désolé, Miller, j'ai buté un garde. J'aurais peut-être pas dû, hein. Peut-être que ma réputation, déjà, va être grandement affectée. On va aller jeter un œil. Bon, c'est pas là. Hop, voilà, ici. Alors, Space of Choice, amitié. Ah, d'accord. Bon, de toute façon, on vous aime bien. Eh ben, je suis pas sûr qu'elle va continuer à bien m'aimer, mais bon. Et si on dégageait d'ici et qu'on allait directement à la centrale géothermique? Je peux voler, ouais. Allez, on y est. Bon, eh ben écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. On verra dans le prochain épisode le choix que je vais faire concernant le régulateur. Est-ce que je vais rediriger l'électricité vers le camp d'Adélaïde ou vers Edgewater? Vous le saurez dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, comme d'habitude. Laissez un petit commentaire. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut à tous!